On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Minecraft système redstone. Comment faire une porte coulissante? Donc le système se trouve juste là-bas. Voilà. Vous passez, vous avez juste à passer, le système s'ouvre. Ou bien vous pouvez le faire à levier, le système reste ouvert. Ou à plaque de détection. Ou aussi à. À Hooper, vous allez jeter un objet, il va s'activer. Lorsque c'est un stack, normalement, cela va rester ouvert. Ouais. Voilà. Bon, bah, les amis, je vais vous faire montrer comment l'on construit ce système qui prend ceci comme place. Si vous continuez comme ça, bien sûr. Voilà. Donc, je vais vous faire montrer tout d'abord. Vous allez mettre deux pistons comme ça. D'une, deux. 3, 4, 2 longueur en fait, vous allez laisser 4 d'espace. Au bout des 2, vous allez creuser de 2 blocs et faire comme ceci. Vous voyez? Comme ceci, ça doit faire ça. Et vous allez continuer en creusant jusque de l'autre côté du piston et laisser un bloc comme ça. Pour mettre la torche de redstone, idem pour l'autre côté. Voilà. Faites gaffe quand vous posez le bloc, ça n'active pas le piston. Parce que sinon il va pas s'arrêter. Voilà, une fois terminé, vous allez faire via les deux systèmes, les deux poudres. Vous allez mettre deux blocs comme vous allez continuer. Ici, pour que le système s'ouvre, vous allez mettre un bloc plus une poudre dessus. Ça va faire ceci. Et idem pour de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez fermer le système avec ce que vous voulez. Voilà, comme ceci. Moi, en fait, j'ai mis avec du bois. J'ai fermé la porte avec du bois. Parce que j'avais que ça, en fait, quand je l'ai créé. Je voulais pas aller dans l'inventaire. J'avais tous mes systèmes de redstone. Donc, j'espère que l'ancien tuto passage secret facile vous a plu. Un like bien sûr ou abonnez-vous si cela vous fait plaisir. Ensuite vous mettez deux plaques de pression en bois, en pierre, et vous et voilà. Donc ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Lâchez un like, abonnez-vous et à bientôt pour un nouveau tuto.